haccp analyse des dangers et des points critiques pour leur maîtrise sept principes douze étapes trois classes de dangers pour l'hygiène des aliments commençons par les dangers les dangers biologiques bactéries virus etc les dangers chimiques pesticides additifs etc les dangers physiques verres bois etc c'est à dire tout corps étranger qui pourrait tomber dans la préparation alimentaire L'achat CCP est une méthode qui repose sur sept principes. Principe 1, procéder à une analyse des dangers. Principe 2, déterminer les points critiques pour la maîtrise, les CCP. Principe 3, fixer le ou les seuils critiques. Principe 4, mettre en place un système de surveillance permettant de maîtriser les CCP. Principe 5, déterminer les mesures correctives à prendre lorsque la surveillance révèle qu'un CCP donné n'est pas maîtrisé. Principe 6, appliquer des procédures de vérification afin de confirmer que le système HACCP fonctionne efficacement. Principe 7, constituer un dossier dans lequel figureront toutes les procédures et tous les relevés concernant ces principes et leur mise en application. À ce niveau des définitions, une explication s'impose le CCP, ce fameux point critique, c'est quoi Un CCP, c'est un point critique à surveiller. Un danger à maîtriser, une règle à appliquer, un registre des erreurs. Un CCP est un point critique à surveiller. Définissons ce qu'est un point critique. Tout d'abord, un préalable. L'hygiène des aliments assure la sécurité et la salubrité des aliments. Et pour garantir une hygiène irréprochable, il faut s'attacher à tous les maillons. Hygiène du personnel, des locaux, du stockage, du transport, etc. Tous ces points sont repris dans un diagramme qui consigne toutes les étapes du processus de fabrication, dans l'ordre. Chaque étape est ensuite passée au crible de la méthode d'Ishikawa, plus facilement dénommée méthode des 5 M matières premières, main-d'œuvre, méthode, matériel, milieu. Ne vous impatientez pas, c'est là qu'interviennent nos fameux points critiques. Pour faire simple, au risque d'être un peu réducteur, à chaque étape, on a identifié tous les dangers grâce à notre méthode des 5M. Question. Est-ce que cette étape a un impact sur la sécurité Si la réponse est oui, poursuivons. Si ce danger peut évoluer vers un niveau inacceptable et qu'aucune étape suivante ne peut le rattraper, on y est. C'est un point critique, un CCP. Sa maîtrise est obligatoire. On comprend donc maintenant toute la pertinence de la méthode. Une fabrication, quelles étapes, à chaque étape quel danger, quel point critique et donc quelle mesure de maîtrise. Et nous voilà devant un processus de fabrication qui va bien. Ajouter des procédures de surveillance pour vérifier que tout tourne comme prévu, et des mesures correctives en cas d'écart, et vous avez un processus de fabrication garantissant la sécurité alimentaire, le but de la méthode HACCP. Maintenant que nous avons défini les trois classes de danger, la méthode d'analyse, les cinquièmes, les points critiques et les sept principes de la démarche, restent les douze étapes de sa mise en place qui deviennent une simple mise en ordre logique. Premièrement, constituer une équipe HACCP, il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Deuxièmement, décrire le produit, savoir précisément ce que l'on fabrique, c'est la base. Troisièmement, déterminer son utilisation prévue. Les obligations seront différentes selon les consommateurs. Quatrièmement, établir un diagramme des étapes, le fameux schéma du processus de fabrication. Cinquièmement, confirmer sur place. Rien de plus bête que de faire des belles procédures dans un bureau pour s'apercevoir que dans la pratique, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Sixièmement, lister les dangers potentiels de chaque étape, les analyser et définir les mesures de maîtrise. La fameuse méthode des 5 M pour n'en oublier aucun. Septièmement, déterminer les CCP, les fameux points critiques, ce qu'il faudra observer à la loupe car leur impact n'est pas rattrapable. Huitièmement, établir les seuils critiques pour chaque CCP. Les valeurs à ne pas dépasser, les indicateurs qui doivent déclencher des alertes, etc. Neuvièmement, établir un système de surveillance de chaque CCP, définir les valeurs et les seuils si personne n'est là pour observer ou si on les dépasse, avouer que c'est nettement moins efficace. Dixièmement, prendre des mesures correctives. En dehors des clous. Bien, mais que faire dans ce cas-là mieux vaut l'avoir prévu avant, non? 11. Appliquer les procédures de vérification. Un système en place ne se maintient que s'il est vérifié en permanence, sinon gare aux dérives. Et le principe 12, constituer des dossiers et tenir des registres, la devenue fameuse traçabilité. En gros, savoir ce qu'on fait, pourquoi on l'a fait et quand. Prise d'expérience en quelque sorte. Au terme de ces 12 étapes, le système HACCP est en place. Première étape indispensable pour respecter le règlement communautaire 852-2004 et préalable incontournable pour toute certification, quelle qu'elle soit. Les trois types de dangers sont biologiques, radioactifs, physiques, chimiques, animaux ou réglementaires. Les trois types de dangers identifiés sont biologiques, physiques et chimiques.